Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et ouais, je ne vois pas ce que je vous montre, ça m'énerve. Moi c'est Pauline, je suis maman de 4 enfants, je suis aussi bibliothécaire et surtout, je suis addictophile. Qu'est-ce que je veux dire par addictophile? Je suis dépendante au loisir créatif. Chaque jour, je me dois de faire un petit peu de loisir créatif en tout genre et en général relié au fil. C'est-à-dire que je file ma laine, je tricote, je brode, je couds, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du patchwork, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses et, et donc je me propose... J'ai été dérangée par un enfant. Je ne sais du tout, plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Je tricote tous les jours. Ça, c'est obligatoire. Enfin, obligatoire pour mon bien-être intérieur. Et j'essaye de faire un travail... Enfin, le tricot est considéré comme un travail d'aiguille. C'est pas très joli. Hein, on dit des travaux d'aiguille, mais... Voilà, donc je tricote tous les jours. Mais j'aime bien aussi manier l'aiguille plus courte avec un chat à l'intérieur. Que ce soit dans le patchwork ou dans la couture. Ou voilà. J'ai pas mal de trucs que j'ai envie de faire cette semaine et elle est bien moins speed que les deux dernières semaines, donc c'est super. Déjà, il est 18h, on est lundi et je suis déjà très contente parce que j'ai fait quelque chose que j'avais très envie de faire depuis le début de mes vacances, c'est-à-dire ranger ma chambre. Ouais. Là, oui, ça, bon, vous rendez peut-être pas compte que ça a changé, mais ça a changé. Par ici, par exemple, vous avez mon livre. Hop là, attendez, vous voyez pas. Hop, oh, c'est dur. Là, voilà, là, vous avez mon livre couvert, donc. Et je voulais, là-bas, là, c'était mon coin un petit peu witchy, oracle et tout ça. C'était un bazar. En gros, c'est le premier meuble qu'on voit quand on rentre dans la pièce. Donc, en général, on fout des trucs dessus. Et bah, du coup, ça ne donne pas très envie de tirer les oracles. Et non. Pareil, j'avais un tas de projets en cours vers mes vêtements insupportables. Mes vêtements, c'était un carnage. Hein, voilà. J'ai vraiment fait un gros rangement et je suis ravie en fait. Là, pareil, il y avait du bazar. Enfin, il y avait du bazar partout. Et j'ai rangé, je vous avais dit, il y a 2 semaines, j'étais allée chez Emma, j'avais acheté des petites cajous, des petites cagettes pliables et empilables. J'en avais pris 3 parce que je voulais voir comment j'allais m'organiser. C'était pile poil le nombre qu'il me fallait, donc c'est parfait. Et donc ces petites cagettes, je les ai utilisées pour ranger ma broderie, mes tissus à broder, que ce soit du lin ou des étamines. C'est pas des étamines qu'on dit, des chebus, des trucs qui sont pas en lin. Et quoi d'autre? J'avais d'autres choses à vous dire. Hein. Et mes fils et tout ça, enfin voilà, j'ai rangé un petit peu, ça fait du bien. Donc la chambre est plus aérée, j'avais déjà fait un pré-tri, en gros j'ai été mettre au relais vêtements 4 sacs de 50 litres, pas remplir, mais bon en gros il y avait peut-être 30-40 litres de vêtements dans chaque sac, et j'ai un sac poubelle aussi à jeter le tri que j'ai fait. Voilà, et il y a encore des choses, je sais que quand j'y retournerai je les jetterai, par exemple j'ai toute une collection de Happy Planner, des feuilles de Happy Planner et tout ça, j'adore, enfin... Enfin, déjà ça coûte un bras, mais je les avais pas utilisés et ça m'a désolée. Voilà. Et en parlant rangement, on va commencer par ça. J'ai commandé à la boutique de Margot des bullet journal. Voilà, on va y arriver. Pourquoi j'ai pris chez elle? Parce que j'aime bien la qualité, je vais vous montrer. Et en fait, c'est le seul bullet journal que j'ai réussi à terminer. Donc là, elle a ressorti son carnet VIE, Bon, en gros, c'est un carnet pour se donner des objectifs et y arriver, donc je trouve ça intéressant, et ne serait-ce que pour le lire, j'avais envie de, pour m'en inspirer, j'avais envie de le prendre, et donc le bullet journal, je vous montre. J'avais bien sûr pas du tout prévu de vous le montrer. Le voilà. Donc ça c'est le premier et le seul que j'ai terminé. Vous voyez, il est rempli normalement.
Alors, jusqu'à la fin, après, j'ai pas été assidue, par exemple. Voilà. Mais au moins, je l'avais fait, quoi. Et j'avais essayé des trucs, il y avait... Et il commence en septembre. Vous voyez, en septembre, là, on voit, c'est toujours comme ça. Voilà. Au début, on a toujours envie. Et après, on a moins envie. ouais, c'est ça. Mais non, il y avait des idées, il y avait des trucs. Donc, voilà. Hé, hey, ça ne marque pas, ça. Mais j'avais quand même... Voilà, il n'était pas toujours rempli, mais au moins, il y avait... l'envie de faire à chaque fois. Et ça, ça c'était important pour moi. Donc, même si je ne l'ai pas rempli tous les mois, au moins je l'ai... j'ai essayé de faire les pages. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais bon, en tout cas, c'est le seul que j'ai réussi à faire. C'est l'organiser des astuces de Margot. Et c'est du faux cuir. Et voilà. Et là, j'en ai pris un autre... C'est pas la même couleur, ce sera mocha je crois, il est un peu plus foncé. Et c'était à prix réduit parce qu'il était un petit peu défectueux, je pense qu'il est un peu écorné ou un truc comme ça, et du coup je l'ai eu moins cher. Donc voilà, je vais recevoir ça, et donc j'ai décidé d'éventuellement, si j'y arrive, me remettre au bullet journal, parce que l'année dernière je n'ai fait absolument aucun bullet journal. Donc je me relève, petite vue sur ma chaise, voilà, je vous en ai parlé il y a aussi 2 semaines. Donc je me suis préparée un petit plateau, comme dirait Ludivine Rose de Rose et Madeleine. Je me suis préparée un petit plateau automnal. Nous avons des washi tape, nous avons de l'encre avec... Où est-ce qu'ils sont? Comment ça s'appelle ces choses? Des tampons. Nous avons beaucoup de... stickers, voilà, tous à peu près sur le thème de l'automne, et voilà. Hop là, toi t'es pas par là. Et c'était, voilà, c'était ça que je voulais faire. J'ai tout organisé là, donc je vais laisser là, et dès que j'aurai envie de me préparer une page, boum, je ferai ma page, et je vais essayer comme ça de m'y tenir. Et je me dis, si c'est devant moi, qu'il faut pas que j'ouvre un tiroir et tout, que c'est bien organisé, et ben ça va me donner envie. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Voilà. Pardon. Donc j'ai beaucoup... Enfin moi j'aime bien en fait tout ce qui est autocollant, tampons, les trucs rapides à faire quoi. Et là on a aussi des papiers pour faire des collages. Voilà. Ça c'est super. Et d'ailleurs je vais peut-être... Est-ce que je vais essayer toujours de la boutique de Margot? Est-ce que je vais essayer d'organiser ma semaine? Ou ça c'est pareil, un truc d'organisation. Donc je sais pas. Et là on a la roue de l'introspection. Et je sais pas du tout comment utiliser, mais j'ai un petit... Donc voilà, je pense que je vais utiliser tout ça. Dans un tiroir j'ai aussi beaucoup de stylos. Je me dis peut-être sortir les couleurs qui pourraient correspondre à l'automne. Pourquoi pas. Et voilà, je re-range, excusez-moi. Mais voilà, j'aime beaucoup faire du journaling, mais je ne prends pas le temps et j'en ai rarement le courage. Donc j'ai rangé mon bazar. Ça fait partie de mes objectifs de la semaine. Je pense que je vais le recevoir cette semaine. J'aimerais bien le recevoir avant le 1er septembre pour pouvoir me mettre en route avant la rentrée des enfants, mais après on verra bien. Donc voilà, c'est ça que je voudrais déjà faire un petit peu, me remettre au journaling. Ensuite... Eh bien, tant qu'on est dans les choses qui ne sont pas des loisirs très créatifs, je vais vous parler de mon livre. Hop, hier, donc pour la fin du vlog 35, je vous ai parlé du livre que j'avais entamé. Anne et la maison de ses rêves, regardez-moi ces couleurs d'automne. J'adore. Je vous avais dit que je voulais m'y remettre. Pardon, que je voulais m'y remettre, et du coup, bah voilà,
Alors, je vous explique. Je m'y suis remise hier, je crois, ou avant-hier. Sauf qu'hier, j'ai eu une insomnie. Je n'ai pas réussi à m'endormir. Donc, bah, au lieu de dire un chapitre, j'en ai eu 5. Donc, je suis à la page 63. Voilà. Mais toujours un plaisir de retrouver Anne et tous les gens qui gravitent autour d'elle. Donc là, j'ai... j'ai celui-ci... La vallée arc-en-ciel, et je crois j'en ai lu 4. Ah, attendez, c'est le camp. Oh, je suis perdue, excusez-moi. Ah non ? Non, 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 non. 1, 2, il m'en reste 4 à lire. J'en ai lu 4 et il m'en reste 4 à lire. Et il y en a un qui va sortir là en septembre, je crois. Septembre-octobre ? Septembre, donc le mois prochain. Excusez-moi. Donc j'ai pris du retard, mais c'est pas très très grave. Là, je suis très contente de retourner dedans en ayant pris une pause, c'est parfait. Donc Anne va aller sur le lit et il sera lu chaque soir un petit peu, tel un petit bonbon que c'est. Qu'est-ce que j'avais ici? Des choses à vous montrer, des achats. D'accord. Donc cette semaine, mon objectif, ce serait... ce que j'aimerais réussir à faire ça, mais je suis pas convaincue. Ce serait de finir mon satisfaction de tricot et stitch. Alors, bien sûr, je suis au milieu de rang et mes enfants m'ont-ils perdu des mailles? Non. Bon, je suis au milieu de rang. Veuillez m'excuser pour cette faute impardonnable. En plus, je suis en début de rang, donc c'est foutu. Je vous montre juste. Voilà, la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est-à-dire dimanche, j'en étais là. J'ai fait une répétition complète du motif. Et il me reste 5 répétitions du motif, je crois, à faire. Oui, parce qu'il me restait 6, donc j'en ai fait une. 5 répétitions du motif. J'ai très 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 envie de... d'essayer d'en faire 2 par jour. Voilà, bon alors là c'est mal barré parce que normalement il faudrait que je tricote toute la journée pour ça. Là j'ai pas fait, mais je vais m'y mettre là et j'aimerais vraiment me tricoter 2 motifs par jour pour réussir à finir le châle cette semaine. Ce serait super. Voilà, et comme ça je partirai vraiment sur de bonnes bases, ce sera super. J'ai enfin bobiné mon deuxième écheveau. Incroyable. Non, parce qu'il fallait que je le fasse avant mes vacances, je vais éternuer. Je crois que j'ai chopé un rhume. J'arrête pas d'éternuer. Donc, j'ai enfin fait ça. Et vous voyez, donc il me reste 5 répétitions. Et il me reste encore... Il est bien ce siège, mais il est un peu haut. Il me reste encore ça. Donc je pense le finir sur la dernière répétition. Je sais pas combien. Je pense que je vais bientôt passer au nouvel échevin. Mais franchement, ça débite pas tant que ça. Voilà. Maintenant que cet espace-là que vous voyez derrière moi est rangé, je vais pouvoir reprendre ma broderie. Parce qu'autant vous dire que quand il y a une tonne de trucs sur le bureau, on n'a pas envie du tout, du tout, du tout, du tout de se poser devant et de broder. Donc là, j'ai rangé, j'ai envie. Voilà. Ça me met pleine d'enthousiasme tout ça. Ensuite, vendredi commence le calmistère d'Audrey Borrego et j'ai reçu Mélène aujourd'hui. Oui. Alors, je vous montre. Désolée pour le bruit. J'ai choisi. J'ai pas choisi. J'avais plusieurs options et j'ai montré cet écheveau à mon beau-frère. Que vous voyez absolument pas du tout de la couleur, vous le voyez violet, c'est d'un bordeaux, c'est le coloris 303, c'est de la Mondime et elle est douce, enfin moi je la trouve super douce, je pense que tout le monde n'est pas comme moi, mais voilà. Et donc pour aller avec, j'en avais déjà une parce qu'un écheveau ne suffira pas, et donc j'en ai racheté une pelote, c'est des pelotes de 100 grammes. Et une pelote ne suffisant pas, j'ai voulu m'en acheter une autre, du coup. Voilà, mais on va quand même pas faire une commande pour une pelote. Donc je me suis dit, comme mon beau-frère voulait un coloris un peu bordeaux, orangé, tout ça,
et du beige naturel, je me suis dit, bah tiens, allons-y quoi, on va commander du naturel. Et j'ai la nouvelle étiquette, je la trouve trop belle. Hop, je vous montre. Une petite préférence pour celle-là. Voilà, donc du coup j'ai commandé deux pelotes de naturel colorissant. Et voilà, donc normalement il y a combien par... Il y a 385 mètres pour 100 grammes. Ouais, et c'est marrant, hein, vous voyez, 385 mètres pour 100 grammes les deux. Et c'est la même marque, mais celle-là est éteinte, celle-là est non teinte. On voit bien la différence, je trouve. Celle-là est chinée. Voilà, donc ça, bah, ça va commencer vendredi. J'irai chercher l'autre. Alors, je vois qu'il y a d'autres choses dans le sac, ma facture et une petite étiquette rosa pommard. Voilà. Très contente. Du coup j'ai reçu ma commande Mondim, donc je suis bien contente parce que bah mine de rien ça s'approche quoi, mais ça va être très joli, le thème est top, donc je pense que mon beau-frère va vraiment adorer cette histoire. Ça va aller dans la poubelle que je n'ai pas encore descendue. Voilà. Et j'ai aussi reçu une commande que j'ai fait chez Temu. J'ai vu un petit une pub chez Rosé Madeleine pour Temu, et ça m'a donné un petit peu envie, et comme j'ai l'intention de faire ma déco de printemps, d'automne plutôt, parce qu'on est d'enlever ma déco de printemps et de... Oui, parce qu'il n'y a pas de déco d'été chez moi, c'est printemps-été, et automne et hiver, il n'y a que trois saisons. Et du coup, chez Temu, j'ai commandé deux, trois petits trucs pour le journaling et la déco. Donc, bah, je vous montre ça. Déjà, pour le journaling, j'ai pris... Alors ça, ce sera peut-être pas utilisé tout de suite. Ça, c'est des autocollants fleurs. Très, très mignon. Mais c'est pas forcément dans le thème que j'ai choisi pour... Mais ils sont très jolis. Ouais, ça c'est le genre de truc, si je les utiliserai, je sais où je vais les utiliser quand même, mais pas dans mon truc. Après j'ai pris des petits autocollants d'automne, hein, avec des petits animaux, des champignons, des machins comme ça, tout mignon. Hop là, donc vous voyez là j'ai un gland, j'ai une feuille, un raton laveur, des lapins, voilà. Donc j'ai des petits autocollants tout mignons, des champignons, voilà. Donc ça, c'est ça va aller dans mon bullet pendant ces mois d'automne, c'est sûr et certain, parce que j'adore ça. Il va aller là, attention, hop, lancé réussi. Et alors j'ai trouvé, ça m'a fait rire, un petit tarot de chat, un jeu de tarot. Alors bon, il était à 1€, donc tout de suite je comprends mieux. Mais je pense que je vais jouer avec, en m'en tirant peut-être, je sais pas combien il y a de cartes dans un tarot, une par... Est-ce que je me fais une par jour ou une par semaine? Je sais pas. En fait, c'est des autocollants. Mais c'est un vrai tarot. Vous voyez, ça c'est le 6 d'épée, il y a le 6 de pentacle. C'est un vrai tarot chat. J'ai du mal à vous montrer. Mais c'est des autocollants, et je trouve que ça peut être très rigolo. Un par semaine. Je vais m'en tirer un par semaine pour me faire le mood de la semaine. Ça va me permettre de travailler mes tarots, parce que j'ai un petit peu de mal avec les tarots. Et hop là. Non, ne perds pas. N'en perds pas. Et voilà. Donc dès que j'aurai mon bullet, je mettrai ça en place. Et c'est deux autocollants, donc voilà. Moi, je trouve ça rigolo. Voilà. Et donc pour la déco, j'ai aussi trouvé, alors là je sais pas trop comment, je vais peut-être les mettre là sur mon, mais en fait c'est quatre petits, des mini posters, les essentiels des sorcières, les essentiels, ça c'est du vegan, parce que la sorcière est vegan,
Voilà, des petits rappels tout entre guillemets. Donc ça, j'ai bien aimé. Je sais pas si je les utiliserai dans ma déco, mais voilà, ça je vais utiliser, c'est sûr. C'est du tissu et c'est une petite affiche champignon. Et je la trouve toute mignonne. C'est en français. C'est écrit en français. C'est une page en français. C'est assez rare pour le dire. Et j'ai aussi pris des petits, toujours en tissu, des petites décos citrouilles. Voilà. Donc pareil, je vais mettre sous verre ça, et puis ça va être bien sympa. Donc voilà, j'ai pris trois petites affiches. Les trucs des sorcières, c'est vraiment, ça m'interpellait. Et pareil, c'était pas cher. Et des autocollants pour mon bullet. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Non. C'est tout. Donc, cette semaine, on va parler clairement objectif. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais je les ai oubliées en bas. Je veux finir mon coussin de printemps. Parce que oui, je ne l'ai toujours pas monté. Je veux commencer mon patchwork d'automne. Vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est des hexagones avec une broderie au milieu et des appliqués de... Comment t'appelles-tu ? Crown. Les crows, les corbeaux, voilà. Donc là, j'ai fait des découpes hier de mes tissus. Donc je suis large, j'en ai même plus qu'il ne faut. Et voilà. Il y a l'homme qui vient de rentrer. Donc je voudrais commencer mes hexagones. Voilà, maintenant que tout est découpé, faut que je trouve une petite pochette pour les ranger et hop, je m'occuperai de ça. Est-ce que, ouais, si, je vais peut-être utiliser... Oui, bon, j'ai trouvé la pochette. je voudrais aussi choisir un tissu pour le fond, du coup, et le teindre au thé. Donc là, j'ai mes tissus, et ils préconisent un tissu beige, ce que je comprends, hein. Mais je voudrais m'en trouver un qui me plaît et le teindre au thé. Donc je vais chercher dans mon bazar là. Donc ça va être, faut que je teigne au thé, il faut que je fasse des hexagones, que je finisse mon coussin, ça c'est pour la couture, que si possible je finisse mon satisfaction, parce que j'ai bien envie de finir, que je commence mon labyrinthe, je sais pas comment on dit, je sais plus le nom du patron. Et ça, c'est pour le tricot. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais faire? Non. Non, on est bien. On est très bien. Voilà, on reste sur une semaine calme. Mais voilà. Et faire le pain. Et voilà, continuer. Et la boulangerie rouvre. Oh, à partir de vendredi. Ce qui veut dire que ce week-end, on a des viennoiseries. J'ai fait des petits pains hier, ils n'étaient pas mauvais mais pas assez gonflés. Je sais pas ce que je fais mal. C'est pas grave. Voilà, donc je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 22 minutes et que j'ai plus trop de batterie. Et nous, on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à faire une répétition minimum de mon satisfaction. Deux serait parfait. Voilà. À demain. J'ai oublié l'éléphant au milieu de la pièce. Hein. Voilà, moi j'ai complètement oublié de vous dire. Je porte donc mon Alpine Bloom avec le col d'origine. Alors je sais pas si vous l'avez vu remonter au fur et à mesure que je parlais. Alors je le porte avec ma jupe bleu marine de chez... je ne sais plus, c'est pas Vauriag, c'est l'autre. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, hop, voilà. Donc le haut de ma ceinture est là, il est très bien, je peux lever les bras, tout va bien. Les manches, donc comme je vous avais dit, on est comme pour l'autre au niveau des coudes. Et là, le jacquard s'est très bien mis. Voilà. Et le col, c'est le col est très très haut. Le col est très très haut. Ça m'a dérangé au début. Après, j'ai oublié parce que c'est doux. Mais sur le moment, j'ai fait. Il y a un truc là. Voilà. Je peux vous le montrer de derrière. Il rebique pas trop. Hein. En fait, pour le bloquer. Une fois le lavage pris, au lieu de le prendre par n'importe où, je l'ai pris par le col et je l'ai tiré par le col. Pour que le col, je ne fais pas de blocage extraordinaire hein, sur mes pulls, alors je les pose. Mais du coup, le fait d'avoir tenu par le col, ça a détendu le col et la dentelle. Et ça l'a aidé à se mettre, quoi. Voilà. Mais je suis bien contente, il me va bien. Je trouve qu'avec la jupe, c'est parfait. Donc voilà. Et il n'est pas...
Je sais pas combien j'ai d'aisance. Pas... Alors, là, j'en ai zéro. Ouais, là, je suis à zéro. Et du coup, ma taille étant plus resserrée, au niveau de la taille, j'ai 10 cm. 20 cm d'aisance. Mais là, je suis à zéro. Donc, moi, ça me va. Tada! Voilà, je voulais quand même qu'on en parle, hein. Voilà. Bon, cette fois, je vous retrouve demain. Je porterai sûrement aussi demain, mais au moins. Là, je... Thank you.
jeudi. Et oui, il y a eu une faille spatio-temporelle dans cette maison, en effet. On se retrouve, je vous ai laissé lundi, et on se retrouve, il est déjà jeudi. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, mardi, je me suis filmée en train de tricoter mon châle, et c'est exactement ce que j'ai fait pendant 2 jours, outre le travail, bien sûr. Et nourrir les enfants. En fait, il s'est avéré que ça, c'était une bonne chose. Donc, je vous ai quitté quand... Bon, j'ai continué mon châle lundi soir. Mardi, je suis allée travailler le matin et je ne travaille pas l'après-midi. Je suis rentrée de midi, la maison était nickel. Ma fille avait complètement nettoyé toute la maison, passé l'aspi et tout. Vidé de la vaisselle, rangé la cuisine, la totale. Et j'avais prévu de faire ça de mon mardi après-midi. Donc, j'étais toute contente et j'ai vraiment très envie de continuer et de finir mon châle. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit, bah écoutez, banco, on va se mettre une petite série... Sur la télé et puis on va y aller. D'ailleurs, il faudra qu'on parle en série après. Ça va être un petit peu long encore ce matin. Donc, j'ai tricoté mon châle en regardant ma série qui s'appelle Maîtres et Valets. Je crois que c'est comme ça. Et en français, je ne sais plus. En anglais, je ne sais plus. Qui est une série anglaise qui est diffusée sur Arte. Pas en replay, c'est sur l'appli Arte. Il y a toute une section qui s'appelle... Passion anglaise, je crois. Et dans cette série-là, il y a l'intégrale des films et séries basés sur les livres de Jane Austen. Ou Austen, tu vois. Donc, il y a Orgueil et Préjugés, il y a Emma, il y a... Voilà, c'est génial. Moi, ça, c'est vraiment... je kiffe ces films. Hein. C'est les films bébés. Les films et séries de la BBC. C'est génial. Et il y a donc cette série, et il y a aussi Le Paradis, qui en anglais s'appelle Le Paradise, et qui parle des premiers grands magasins en Angleterre. Et c'est très très bien, mais je l'ai déjà vu, ça passait sur Netflix, je crois que j'avais regardé, donc je ne vais pas me la re-regarder. Mais Maîtres et Valets, il n'y a que 2 saisons, et la première fait 4 épisodes, je crois, 4 ou 6, et la deuxième 8, un truc comme ça. Et du coup, bah, ça m'a bien accompagnée dans mon tricot. De mon châle, je vous montre après hein, parce que bon, quand même un petit peu de suspense. Et mercredi, ben le matin, je me suis occupée des enfants, j'ai travaillé. Ah, et du coup l'après-midi j'ai travaillé et le soir j'ai tricoté encore devant une série. Ben, je crois que j'avais mis Persuasion. Hier soir j'ai regardé Persuasion. J'ai beaucoup aimé. J'avais un mauvais souvenir de Persuasion et finalement j'aime beaucoup. Je crois que c'est Emma que j'aime le moins, mais c'est celui que je vais regarder ce soir. Donc, je vous redirai ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur l'appli ou sur le site internet arte.tv et c'est la section passion anglaise. Voilà. En parlant, du coup, tant qu'on n'est pas dans les projets, j'ai avancé un petit peu ma copine Anne et comme j'adore vous le montrer, voilà. Quand une grande passion prend possession de l'âme, les autres sentiments en sont évincés. C'est beau, non ? Voilà, j'avais trop envie de vous remontrer ce livre. Je le continue, je l'avance un chapitre par jour. Ça se passe bien. Après, donc on est jeudi et demain sort le premier indice du MCAT de Borrego. Donc ça c'est cool, je sais des... Enfin, l'avantage, que, comme c'est le quatrième, je sais déjà comment ça va commencer. Ça va être un montage provisoire avec le coloris principal. Ensuite, on va faire les motifs et puis ça va commencer comme ça, quoi. Mais je ne sais pas si je vais le démarrer tout de suite parce que je n'ai pas terminé mon châle. Je sais que je vous ai dit que je n'ai pas arrêté de tricoter, mais vraiment, vraiment, il y a du taf. Ça, j'en parle aussi après. Ce petit bruit que vous avez entendu, il viendra après. Alors, je vais vous montrer déjà le corps du châle si c'est possible. Ça m'a l'air compliqué. En fait, j'ai bien avancé tellement que j'en suis au rabat. Si, il suffirait que je fasse un rang en fait. Attendez, je vais faire mon rang. Parce que j'ai fini relativement tard, enfin 11h30, hein, mais du coup, bah. Du coup, faut le faire le rang. Hop. Voilà, ça va vite, hein. Voilà. Aïe, je peux vous montrer le châle. Alors, par contre, j'aimerais bien que tu te désemmêles. On commence, même s'il est tout plissé, machin, on commence à voir que ça va être une belle bête quand même. Hein.
Donc, je vous montre juste là où je vous ai laissé lundi et ce qui a été fait. J'ai fait 3 motifs complets. 3, 1, 2, 3, 4. 4. 1. 4. 4 motifs complets. Je vous dis, mardi, j'ai carburé, j'ai fait 2 motifs et demi. Oh, j'en pouvais plus. Par contre, j'en pouvais plus. J'avais un peu mal aux mains. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est la hauteur du châle. Il va faire cette hauteur. En réalité, le châle va se tenir comme ceci. Et il va faire cette hauteur, mais bien sûr, il va falloir songer à l'étirer. J'ose pas trop. Mais voilà. Et donc là où je suis très fière de moi, c'est que j'ai démarré le rabattage hier soir. Ah, ça c'est cool. Par contre, qu'est-ce que c'est long. J'avais oublié, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté un châle pour lequel il y a un rabattage spécial. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Bon, je vous montre. Non, parce qu'en vrai, j'ai pas tout à fait 500, je crois 450, un truc comme ça, mailles dans les environs, à peu près, hein, sur mon châle. Et vous voyez, oh, je sais pas si vous allez voir. Voilà, le rabattage, en fait, il se fait comme ça. Et à chaque rang de quelques mailles, hein, vous voyez, on est en dessous de 10, mais au-dessus de 5, on va dire. Et bien, à chaque rang, tous les deux rangs, je rabats une maille du châle. C'est-à-dire que pour rabattre une maille, il faut que j'en tricote une quinzaine, quoi. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. On n'oublie pas les picots, mais au moins ça, voilà. Et alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça. Il y a des rangs raccourcis pour faire la pointe du châle. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je vous avais dit, je sais pas si je vais pas rajouter des motifs, si je vais faire des I-cords, tout ça, tout ça, tout ça. Alors j'ai donc pesé ma laine quand même, parce que de temps en temps il faut réfléchir, donc j'ai pesé ma laine avant le dernier motif. Et je vous rappelle que j'avais changé, vous aviez vu le changement des chevaux je crois. Ah non, vous l'aviez pas vu. Mais parce que je l'ai fait 1, 2... Bah, juste après que je vous ai vu en fait, le changement il est là. Donc le changement des chevaux il est là, donc j'ai tricoté tant que je pouvais, jusqu'à ce que nous disait... Christelle de Tricot Stitch, et à la dernière répétition conseillée par Christelle, j'ai pesé. J'étais à 65 à peu près, 65 grammes de mon écheveau, sachant que j'ai quand même beaucoup de mailles, hein. Je vous rappelle que je finis à plus de 450, que j'avais fait seulement deux ou trois répétitions, et que j'avais quasiment pris plus d'un tiers de la pelote, je me suis dit on sera bien à ce qui est souhaitable pour faire le rabat à la fin du premier, et c'est effectivement le cas. Je suis à 50, un tout petit peu en dessous des 50 grammes pour faire le rabat. Je suis censée, d'après les calculs de Christelle, en utiliser une quarantaine. Enfin, on est tranquille quand on a 40 grammes dans les chevaux, donc voilà. Et je comprends parce que là, enfin, c'est infini, mais je suis très contente. Par contre, c'est pas les mêmes échevaux et ça se voit. Ça se voit les amis, ça se voit. Si je reprends. En fait, là, on est plus sur du terre, du rose léger, du terre. Mais rose pâle, quoi. Enfin, c'est vraiment plus terre. Et là, on est beaucoup plus foncé. Et le rose est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pêchu, en fait. Bah pêche d'ailleurs. Plus pêche. Je sais pas ce que vous voyez avec la luminosité, mais là vous voyez, on voit des grosses parties très pêches que ici on va pas avoir. Ils seront plus terre. Ça va pas me choquer, hein, ça reste. En plus, ça se voit plus à l'écran, mais je suis impatiente de le bloquer du coup, parce que vraiment, je pense qu'il va effectivement être immense. Ce que je voudrais pas faire, je pense que le blocage, je vais le faire avant la bordure. Les pinces là, comment on dit, vous savez, les peignes, voilà, les peignes, je vais les mettre avant la bordure. Je vais plutôt étendre la dentelle, mais pas la bordure, parce que la bordure en point mousse, il y a moyen qu'elle grossisse beaucoup, et je la trouve déjà très très bien. Et de toute façon, je vais pas mettre une pointe par picot, c'est hors de question. Donc voilà. Alors, donc mon objectif est toujours de finir ce châle à la fin de la semaine. C'est pour ça que j'ai vraiment vraiment tricoté beaucoup. Pour tout vous dire, j'ai dû tricoter sur une semaine
5, 6, 7. Ouais, je pense que dans la semaine, j'aurais fait mes 100 grammes de laine, chose que je ne fais jamais. Hein. Même sur différents projets, je ne tricote jamais 100 grammes de laine. Du coup, je ne fais que ça. Hein. Vous pensez bien que le patchwork, je n'y ai pas touché, que le filage non plus, monomaniaque là. C'est du monomaniaque. Après, je comprends Cécile, hein, parce qu'effectivement, quand on fait que ça, bah, ça avance. Cécile, de que font mes mains, pour info, si jamais, qui est très monoprojet, comme ça qu'on dit. Et du coup, bah, effectivement, ça avance vite, mais... Mais moi je pourrais pas, à la longue, là je veux le finir parce que c'est mon projet de l'été et que je suis pas loin de la fin et que j'ai envie de le porter, tout ça, mais sinon non, je pourrais pas, ça m'amuse pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce projet? Eh bien si, j'ai un objectif du coup, j'aimerais bien finir le demi-rabattage, c'est-à-dire arriver là. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, c'est-à-dire rabattre quand même tout ça. Voilà, moi j'ai fait ça là, donc j'ai fait quoi? Hier, en une heure, j'ai fait un quart. Il y a moyen. Non, ça veut dire qu'il faut que j'y passe 3 heures, quoi. Il y a moyen. Donc, je voudrais au moins me finir la première moitié pour me finir la deuxième moitié demain. Et comme ça, on est bon. J'aurais fini mon châle. Et je pourrais démarrer le cal de Drevorego. Voilà. Je me suis emmêlée dans mes trucs, là. Il y en a deux partout. Et si je peux vous montrer où j'en suis dans mon écheveau, quand même. Vous voyez, j'en suis là. Donc il a quand même pris un coup. Hein. Voilà. Une fois que j'aurai fini ce châle, je montrerai aussi je sais plus. L'autre châle, mais alors celui-là, il va se tricoter en 5. C'est pas du tout de la... C'est de l'arane. Ou de la worsted. C'est peut-être écrit. Non. C'est la Heavy Merino de Knitting for Olive. Première fois que je tricote Knitting for Olive. C'est très doux, j'aime beaucoup. Coloris Rust, j'aime beaucoup. Et ça, j'ai bien envie de le monter, ça va se tricoter en 5, donc ça devrait avancer très vite. Même si j'ai combien de pelotes? 2. J'ai 6 pelotes. J'ai 6 pelotes, j'ai envie de toutes les utiliser, donc voilà, ça va bien se passer. Et par contre, sur les 6 pelotes, j'ai 125 mètres par 5, 125 mètres par pelote, donc 125 x 6. 6, 7, bon, j'ai quasiment 2 échevaux, quoi. Enfin, l'équivalent de 2 échevaux de fingering. Et ça va se tricoter en 5. Donc je vais quand même faire un petit échantillon, parce qu'ils préconisent de tricoter cette laine en 4,5. Et je sais que mon point mousse est très lâche, donc je vais peut-être le tricoter en 4,5 pour que ce soit plus cohérent, plus serré, plus moins aéré, voilà. Donc je pense que je vais le tricoter en 4,5, sachant que ça je le tricote en 4, hein, donc ça ne va pas faire une si grande différence, mais voilà. Donc lui il va monter sur les aiguilles aussi, je pense, la semaine prochaine, voilà. Voilà, c'était tout. Bah, de toute façon, loisir créatif, c'est à peu près tout, hein, parce que bah, j'ai fait que ça. Donc, mais j'ai reçu des commandes Vinted et des commandes, la commande dont je vous ai parlé lundi de la boutique de Margot. Donc, j'ai complètement craqué quand j'ai regardé des vidéos de Anna Blossom Diary. Excusez-moi, j'avais une autre Anna dans la tête et là ça marchait pas. Donc Anouchka et de Rosé Madeleine. Clairement, c'est Rosé Madeleine qui a tout déclenché. Elle a sur sa table de cuisine un petit plateau sur lequel elle met sa théière préférée et un ensemble de 2 coupes et tasses, donc en gros un ensemble anglais, de présentation avec le tea cozy, tout ça. Et je trouve ça trop mignon, sauf que je n'ai pas de belles tasses avec des sous-tasses et ça m'énervait. Parce que j'ai beaucoup de mugs que j'utilise, parce que je trouve que les tasses, on ne peut pas en mettre assez dedans. Donc j'utilise des mugs, mais je ne peux pas frimer. Et j'imaginais tellement en fait ma table d'automne avec mon petit centre de table que je vais quilter dans les coloris beige, orange, rouge, tout ça. Avec en plus, enfin jaune plutôt, pas trop de orange ni de rouge, mais du jaune. Bon, on divague. Avec ma théière qui elle aussi a des coloris d'automne un petit peu orangé, jaune, rouge.
Et mon petit cosy qui est lui aussi marron un petit peu. Voilà, j'avais cette envie incroyable, mais je n'avais pas les tasses qui allaient avec. Donc forcément Vinted. Et sur Vinted, j'ai trouvé, pour pas très cher, je crois que c'était une quinzaine d'euros, j'ai trouvé deux tasses, je vous en ai ramené qu'une, avec sous-tasse, dans un état absolument parfait. Et juste, elles vont absolument parfaitement avec ma théière. Alors, ma théière va faire un peu passer à côté, mais c'est pas grave. Vous voyez, hop, il y en a à l'intérieur et la coupelle. Voilà, dorée, avec des couleurs, c'est juste topissime. Donc je les adore. Oui, je ne l'ai pas lavé et je ne l'ai pas du tout utilisé encore, parce que je l'ai reçu tout à l'heure. Donc je suis tellement contente, je vais pouvoir me faire un petit centre de table, là, ça va être exquis, mes amis. Donc voilà. En commande vintage, j'ai aussi reçu, je me déchausse, ces chaussures qui sont des Old Birds. Voilà. Donc encore Anouchka de Anna Blossom Diary. L'année dernière, elle avait fait une collab avec Vivaya. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'était des chaussures, c'était des chaussures comme ça, des ballerines, vous voyez, en plastique, avec des matériaux recyclés. Et puis elle en a reparlé cette année, elle a dit qu'elle les avait pas mal portées, que c'était très confortable. Ce dont je conviens, je me suis dit, j'essaierai bien, mais la flemme de payer ça, des vieilles bouteilles recyclées, c'est une centaine d'euros, quoi. Clairement. Parce que c'est ça, c'était des vieilles bouteilles recyclées. Et j'ai vu une autre personne que je suis sur Instagram, mais je n'ai pas pris mon téléphone. Une autre, je vous redirai ça, j'essaierai d'y penser demain. Une autre personne que je suis sur Instagram qui, lors d'un de ses posts, disait « Moi, je ne vais pas chez Vivaya parce que c'est du plastique et que je ne veux pas porter de plastique. Hein. » Donc, très, très bien. Enfin, voilà, chacun ses motivations et ses envies. Par contre, si vous voulez tester cette marque, Allbirds, parce que, en fait, la semelle est entièrement... est entièrement en laine feutrée et non pas en plastique, voilà. Et pareil pour l'extérieur, je crois que c'est de la laine et non pas du plastique. Ça doit être écrit. Bon, ça vient quand même de Chine et là, ça c'est du... C'est pas du plastique aussi, ça doit être de la résine ou un truc comme ça. Voilà. Donc, mon premier réflexe quand je vois une marque, c'est Vinted. Je regarde un petit peu les prix qui se font sur Vinted. Et en fait, j'ai trouvé ces chaussures-là pour une vingtaine d'euros. Même pas, je crois. C'est une vingtaine d'euros, alors que toutes les Vivaya, elles sont à plus de 40. Je me suis dit, allez, banco. Alors, normalement, je les cherchais en beige, mais je me suis dit, 20 euros, franchement. Même si ça reste des chaussures d'intérieur, parce que c'est pas sexy. C'est pas sexy du tout. Mais voilà, je me dis ça peut être vraiment très sympa et au moins ça me permettra de tester, voir si ça vaut le coup que j'en achète des neufs. C'est ce que j'avais fait pour mes chaussures que j'ai portées tout l'été. Là, c'était des Charlie Stone, je crois, qui sont d'inspiration vintage. Et je les ai portées tout l'été, j'ai adoré les porter, elles sont plates mais en même temps très féminines. Donc je m'en suis acheté des neufs. Je vous en ai parlé, c'est mes chaussures jaunes, mais j'avais choisi une pointure en moins que celle d'habitude, et du coup c'était trop petit, mais maintenant elles me vont parfaitement, je les ai portées toute la journée. Voilà, on digresse tellement dans ce vlog. Donc voilà, ça c'était les petits achats Vinted. Moi j'aime bien, voilà, quand des influenceuses que je suis me parlent d'une marque, j'aime bien aller voir sur Vinted si elle n'existe pas, si on la trouve ou pas, voilà. Comme ça me permet de tester et de me faire mon propre avis sans dépenser l'intégralité de mon salaire. Alors, du coup, je voulais vous parler quand même des cahiers de Marco. Donc, nous avons le même. C'est le même, hein, on est d'accord qu'on est sur le même. Ce qui me va, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette couleur. Donc là, on est sur l'organisé. Alors, vous voyez, il y a écrit « Dernière chance », là. Et je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il a été déclassé. J'ai beau regarder, je ne vois pas la moindre trace. Je ne trouve pas. Ça me perturbe. Donc a priori, il va prendre plus cher quand il sera utilisé par moi. Donc ça me va. Les déclassés,
Ils sont moins chers de... Oh, je sais pas, un petit peu moins chers d'une... Je sais vraiment plus combien je l'ai payé, en plus j'ai pas pris la facture alors. Hein. Donc voilà, ça permet d'avoir un carnet de qualité et pour moins cher. Je sais pas du tout, vraiment je sais pas ce qu'il a ce pauvre cahier. Ah si, ce serait ça là? Non. Ah si, je crois que c'est ça. Oh, vous allez rire. Ah ouais. Ok, est-ce que vous allez le voir? Là, là vous voyez un petit décroché. Je pense que c'est ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant, je vous le dis. Alors, je voulais voir le... Ouais. J'aime beaucoup. Donc, c'est pas du vrai cuir, c'est du cuir vegan. Du plastique, quoi. Mais j'aime beaucoup le... Le motif, je sais pas si vous allez bien voir le motif, c'est tellement joli. Ouais. C'est un vrai vrai motif de cuir, c'est très joli. Donc l'organisé, moi je le connais, mais vous voyez, il y a des pointillés à l'intérieur pour en faire un vrai bullet. C'est dur, hein, c'est très dur. J'ai pas la luminosité qu'il faut, je suis mieux en bas. Et donc voilà, j'ai le batch number, je m'en fiche. Et dedans, on a un petit soufflet pour mettre des bêtises. Et je pense qu'on a aussi le... Ah non, elle fait pas de d'index. On n'a pas l'index. Non. Non. Ah ben non, j'ai pas d'index. Bon, bah, si j'ai pas d'index, j'ai pas d'index. Hein, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas d'index. Et il y a de quoi mettre son stylo. Voilà. Et là, maintenant... À l'époque, il n'y avait qu'un seul truc, là, comme on dit. Oh. Ça pleure, il faudrait falloir que j'aille. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août, et j'ai reçu mon nouveau bullet journal. Donc, je pense que pour le 1er septembre... Enfin, est-ce que vraiment... Je pense que le 1er septembre, je commencerai. Parce que je vous dis, je suis vraiment monomaniaque de mon truc, et j'ai vraiment envie de finir ma diagonale aujourd'hui. Donc, je pense que je ne vais pas y aller tout de suite, mais très très vite. Ah, le mien, il est moins collé. C'est peut-être ça le problème. Bon, on s'en fiche en vrai. Voilà, en tout cas, ça, c'est l'organisé, du coup, qui va être mon bullet journal de l'année. Et j'espère vraiment m'y tenir, parce que l'année dernière a été juste catastrophique de ce point de vue-là. j'ai passé un an sans agenda. Donc, voilà. Après, j'ai survécu, hein. Mais ça, j'aimais bien, en fait. Et là, je vais maintenant vous présenter le carnet vie. Alors, le carnet vie, toujours de la boutique de Margot, c'est visualise, inscrit et exécute. Voilà. Tes objectifs sur 6 mois en toute facilité, de la rétrospection à l'application en passant par de multiples astuces et méthodes. Ta meilleure vie à portée de main, à toi de la saisir. Voilà. Je vous ai lu ce qui est écrit derrière. Voilà, le carnet vie, du coup. Le guide pour atteindre tes objectifs de vie. Là, c'est du papier 120 et là, c'est du 160, comme quoi. Est-ce qu'il est ligné ou... Waouh, waouh ! Ah ouais ! Ah, il y a des choses à faire. Bon. Donc, visualise, inscrit, exécute avec des petits proverbes. Donc, il est en tissu, celui-ci. Toujours les lutteurs, c'est très joli. Le vie... Et en fait, c'est quasiment... C'est plus un livre, finalement, qu'un cahier. Parce que vous voyez, on a un sommaire. On a le petit mot de Margot. Avant de commencer. Et un petit QCM pour savoir sur quoi on veut travailler. Non, c'est... Ça va vraiment être... Je pense qu'il va falloir que je me prenne 5 à 10 minutes tous les jours pour essayer de l'avancer. Et c'est vraiment... ça va vraiment être un truc assez sympa. Je vous propose de vous en reparler. Parce que ça peut être vraiment un truc sympa. Quitte à le reprendre après. Voilà. Donc le carnet vie, lui aussi a ses deux petits marque-pages là,
aux couleurs du carnet, très bien, et bien sympa. Donc ça, c'est mes nouveaux carnets qui vont venir juste là, prêts à être utilisés avec la boîte magique. Trop cool, mais le carnet vie, là, je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. C'est toutes les pages, il y a des choses écrites dessus, donc c'est vraiment un vrai guide, quoi. C'est pas, on n'est pas du tout sur du bullet, c'est un guide de vie. Donc je commencerai à le lire et je vous en parlerai sans faute. Voilà. Bon, bah, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était déjà pas mal, hein. Je viens vous voir demain. J'espère le midi, j'ai un peu plus de temps de pause le midi, donc ça me permet de venir vous voir. Donc je viens vous voir demain pour voir où j'en suis dans mon châle, et peut-être qu'on discutera du carnet vie, de ce que j'en ai trouvé, si j'ai commencé à lire ou quoi que ce soit. Voilà. N'hésitez pas à aller sur Arte, je vous dis, c'est très intéressant, c'est parce que c'est Arte que c'est, ça n'est pas quelque chose à regarder. Et moi, le petit est fatigué et continue à pleurer, donc je vais retourner le voir tout de suite et descendre mon tricot, bien sûr, pour l'avancer. Voilà, allez, nous on se voit demain. Coucou, on est vendredi midi et je vous retrouve pour faire le point. Déjà un truc que j'ai oublié de faire hier, ce qui est ennuyeux, c'est terrible, à chaque fois que je viens vous voir, je me rends compte que j'ai les lunettes sales, parce qu'en fait il y a tellement de lumière autour de moi que je me rends compte, alors que d'habitude je ne m'en rends pas compte parce qu'il fait tout sombre partout. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est déjà mieux. Bon, déjà je me suis dit que je vous avais pas montré ma tenue hier, alors que je l'aime énormément. Je suis vraiment ravie de cette association, donc je vais me permettre de vous la montrer. Ça, vous le connaissez, c'est le gilet passe-miroir de Que font mes mains, mais comme en dessous j'ai une robe très cintrée au niveau de la taille très haute, là du coup c'est ma taille réelle est là, donc on est à 5 cm en dessous. Et je trouvais que le gilet en lui-même, comme il est très droit, vous ne voyez pas, comme il est très droit, eh bien il cassait un petit peu la ligne de la robe qui est pourtant très jolie. Donc j'ai une idée de le nouer, type un peu boléro. Mais parce que c'est du mohair et soie et de la... Oh, pardon, de Hélène Mérinos, qui est single, il est très léger. Il a un beau drapé. Et donc du coup, le nœud n'aurait jamais tenu, il aurait fallu que j'en fasse deux, il n'aurait pas tenu, ça m'aurait saoulé. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'ancienne technique de l'épingle à nourrice cachée. Et donc j'ai un petit boléro qui remonte au niveau de la robe. À l'arrière, il descend bien. Et je trouve que c'est très bien, d'autant que ce gilet ne se ferme pas. Donc, et je trouve que ça lui apporte une jolie ligne. Voilà, je voulais parler de ceci. Sauf que je vais l'enlever parce que j'ai un peu rangé partout. Et j'ai chaud, 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 chaud. Ah, il fait plus lourd qu'hier. Hier, il faisait vraiment froid. Aujourd'hui, il fait chaud. Bien, alors. On a reçu le premier indice du MCAL d'Audrey Borrego. J'y crois pas, j'ai pas pris la première page. Si. Voilà, le dédale d'Audrey Borrego. Très très jolie. Elle le fait en knitting for a livre, je crois bien. Oui, c'est ça. Et moi, je le fais en mondime. Normalement, j'ai pris mon sac. Voilà, parce qu'en fait, j'ai donc, je vous montre la quantité que j'ai. J'ai deux pelotes. Oh, c'est drôle. Il n'est pas la même taille. J'ai deux pelotes de chaque couleur. Voilà, hop, ma mondime. Et j'ai un petit reste de, je sais pas combien, ça doit faire 10-15 grammes, je pense, du Bordeaux. Donc, je vais donc pouvoir le monter. Et je vais choisir en couleur contrastante le blanc. Et en couleur de base, couleur principale, pardon, le Bordeaux. Tout simplement parce qu'il faut plus de couleurs principales que contrastantes. J'ai un petit peu plus de Bordeaux. Et franchement, franchement, j'aime faire le contraire de ce qu'on me dit toujours. Voilà. Dans mon sac cool bag, qui est franchement, c'est, il a un coloris d'hiver parce qu'il est bleu, mais comme il a des petits animaux mignons, je trouve qu'il fait toutes les saisons.
Donc celui-là, je vais pouvoir le démarrer. Et pourquoi je vais pouvoir le démarrer? Eh bien, vous n'allez jamais en croire vos yeux. Non, vous ne me croirez pas. Ça m'a chine-t'en. Vous ne me croirez pas, car voici. Voici. Voici le châle satisfaction. Vous remarquez, il n'y a absolument aucun film qui traîne. Enfin, si, à l'arrière, mais... Mais oui, je l'ai terminé, j'ai fini le rabattage. Voilà, l'objectif était de finir la moitié. Ben, je l'ai fini en entier. Je suis super contente. Alors, il n'est pas tout à fait aussi grand que ce que je pensais. Ah, il est limite. Il est limite. Non, en fait, ce que je voudrais, ce serait le nouer à l'arrière. Je vous montre. Je vous montre. L'idée que j'en ai, c'est de le porter comme ça. De le croiser là. Et de me le nouer là. Vous voyez, ça n'est pas possible. Non, vous ne le voyez pas d'ailleurs, mais je peux vous montrer, ça n'est pas possible. Donc, compte tenu qu'il me reste, je dirais, moins de 20 grammes, une dizaine de grammes, ouais, je vais faire des i-cordes. Mais avant de faire des i-cordes, je vais le bloquer. Voilà, donc là, il va partir au bain, direct là, j'arrête la vidéo, boum, il va au bain, boum, je l'étends, et comme ça, dimanche, j'aurai mon chat. Peut-être pas avec ses i-cordes, mais j'aurai mon châle, je l'aurai terminé. Et je suis si contente, mes projets de l'été sont terminés le 1er septembre. Donc cet été, j'aurais fait deux pulls, enfin deux, ouais c'est presque des pulls quand même. Hein. Deux t-shirts pulls et un châle, donc c'est pas mal. Trop contente. Ça sent la laine. Donc bah voilà, je voulais vous le montrer avant blocage parce que je pense que vous allez voir la nette différence. J'espère que dimanche il sera sec parce qu'on est sur, je pense qu'on sera sur une nette différence. Voilà. J'adore la couleur, j'adore tout, hein. Je suis absolument ravie. Mais je pense qu'avec les icons ça va être topissime. Voilà. J'ai pris mon sac à projet pour mettre le... Alors il est là ou pas mon patron? Attendez, parce que j'ai beaucoup de patrons là. Non, il est en bas, je crois. Non, il est pas là. Pour mettre le patron, l'Hélène surtout, de mon prochain châle, qui ne sera pas pour moi, hein, je le précise. Et du coup, le patron, je trouve que... Voilà, comment vous dire, hein, ils sont faits pour se rencontrer, ces deux-là. Voilà, ça, c'est le sac à projet d'automne. C'est moi qui me l'ai fait. Hop là. J'aime pas tellement les sacs en papier, ça fait du bruit. Et ben il va être bien rempli ce sac. Pourtant pour un châle ça le fait bien normalement, mais là vous voyez, je pense que ce châle va être gros et douillet. Hop, et voilà. Donc ça il va aller hop avec celui-ci. Vous voyez, on a un petit peu des idées semblables, on va dire. Et eux, ils vont aller ensemble, et ça va être mes projets de l'automne, avec... Donc ça, c'est les projets que je vais monter aujourd'hui, le 1er septembre, ce sont les projets du mois de septembre. Et je vais aussi bientôt, très bientôt monter... Non, pas toi, si toi. Toi ou pas toi? Non, pas toi. Je l'ai sorti, non? Ah oui, la petite écharpe, la scarf number, je sais pas combien, là. Et My Favorite Things, le voilà. Lui, je vais bientôt le monter aussi parce que mine de rien, il va falloir que... Enfin, je veux le faire pour Noël, pour mon mari. Donc à partir de là, va falloir que je m'y mette, vous comprenez? Alors, 6. Je vais en profiter pour ranger un patron qui traîne, là. Ça m'énerve. J'aime pas quand ça traîne. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, le patron du Serkis que j'ai fait cet été va aller être rangé. Ça, je verrai plus tard pour le faire. Oh, c'est long. J'ai ce patron, mais c'est pas urgent. C'est un petit nœud de cheveux en mohair. Donc ça, je le ferai. Et le fin sweater qui sera monté à la fin du mois. Donc ça, on est bien. Pour le fin sweater, il n'y est pas encore. Voilà. Bien, du coup, ça je vais mettre le patron avec. Bon, c'était prévisible, hein, c'est toujours la même chose.
Je suis pas perdue dans le patron d'Audrey, il faudra juste que je suive la ligne de Jacquard. Donc ça c'est très bien. Hop. Et là donc le truc que j'ai à faire, ça va être pas mal d'i-cord. Parce que je veux m'en faire pour lui. Et le châle épais, on va dire ça comme ça, démarre aussi par un long i-cord. Je pense que je vais vite en avoir marre des i-cord, mais au moins je pourrai porter les châles comme je le souhaite. Hier j'ai fait autre chose, j'ai préparé, parce que du coup voyant que j'avais très très bien avancé sur mon châle, j'ai préparé la housse du coussin. Alors oui, ça semble à rien, on est d'accord. Je vais me replier celle-ci, comme ça, et je pense que je vais la coudre à la main, je pense, c'est aussi efficace. Donc je vais la coudre, puis ensuite eh ben, je prendrai la machine cette fois pour coudre la housse du coussin en, comme j'aime le faire, en mode tête d'oreiller en fait. C'est comme ça que je préfère. Donc j'ai ça à faire, mais ça a bien avancé, j'étais arrêtée là-dessus, donc ça va reprendre, c'est très bien. Et pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Désolée, j'ai oublié. Si, donc pour mon patch d'automne, le fond du patch, enfin non, pas l'arrière, hein, le fond. En fait, il y a tous les hexagones et au milieu, il y a un fond avec une broderie sur un morceau beige. Donc j'ai repris ce tissu que j'ai teint, enfin que j'ai fait, pour l'instant il n'est pas teint, que j'ai fait tremper dans du thé, dans beaucoup de thé. C'est du thé que j'aime pas, que j'avais acheté il y a très longtemps, il a peut-être peut-être 10 ans même maintenant. Il a peut-être 10 ans. C'était du thé en sachet de chez Lidl aux fruits rouges. Il sent bon, hein, mais c'est pas le genre de thé que j'aime boire depuis quelques temps. Et du coup, là, il repose dedans. Et ce que je vais faire, c'est qu'il va ensuite... je vais le faire bouillir dans du vinaigre, ou au moins le laver au vinaigre, le rincer au vinaigre. Et le laisser sécher, et ça fera ma base pour ma broderie. Voilà. Donc là, il est trempé, je vais pas vous le montrer. Mais j'espère aussi d'ici dimanche pouvoir vous le montrer. Voilà, c'est tout. J'ai commencé à regarder le cahier vie de Margot, de la boutique de Margot. Et intéressant. Pour l'instant, j'ai juste commencé à lire. J'étais pas. Bah, vous imaginez bien que j'étais un petit peu prise pour faire un rabattage de temps, hein, un aussi gros rabattage, mais voilà, en tout cas ça a super bien avancé, tout a bien avancé, donc je suis super contente, j'ai vraiment l'esprit libre en ce 1er septembre pour commencer mes deux nouveaux projets qui sont tous les deux des cadeaux, et puis voilà, donc ça c'est super. Voilà, demain je pense que je vais peut-être pas réussir à venir vous voir parce que j'ai une de mes sœurs qui vient et on va à l'anniversaire de l'autre. Du coup ça va prendre du temps, et puis en général quand ma sœur est là, j'ai un petit peu moins de temps à me dégager pour venir vous voir. Donc je pense demain rien, par contre dimanche je viens vous montrer le châle sec et sûrement l'avancée de mes autres castons, du coup. Au moins mes castons et peut-être leur avancée. Voilà. Allez, moi je vais boire mon café, mettre ça à tremper et à laver et le bloquer là avant de repartir au boulot. J'ai un quart d'heure. C'est chaud. Allez, on y va. À toutes. Enfin non, enfin à toutes pour vous et à dans 2 jours pour moi. Coucou. Finalement, on est samedi parce que ma soeur n'est pas arrivée cette nuit finalement. Donc, c'est parfait. Je peux venir vous voir et vous montrer tout ce qui a été fait hier. Déjà, mon châle est sec. Donc, pour vous, ça fait... un peu moins de 5 minutes, pour moi c'était hier. Voici à quoi il ressemble une fois bloqué. C'est quand même plus beau, hein. Voilà. Alors si je le mets sur moi. Ah, c'est mieux. Vous voyez? C'est sympa, hein. Et en fait, comme j'ai tiré comme une brute, je pourrais presque le fermer. Vous voyez où il descend? Niveau des fesses.
Voilà, bon alors en vrai j'ai chaud, donc je sais pas si je vais garder longtemps. Mais voilà, mais en même temps j'ai quand même très envie de me faire les i-cordes, parce qu'il me reste pas de temps de laine et ça me permettra de la finir. Et voilà, et ça lui donnera une forme, donc ça va, ça me plaît. Voilà, que vous dire d'autre? Bah rien, il a séché vite, c'est l'avantage de la dentelle, hein, comme c'est plein de trous. Voilà, si je le porte à l'avant, bah ça va me faire un gros bavoir là quand même. Vous voyez? Oups là. Quoique. Mais là, j'ai trop chaud là. Il fait lourd aujourd'hui. Il paraît qu'il va refaire 30 la semaine prochaine, ça va être horrible. Je sais pas si je le prends, c'est pas déconnant avec ce que je porte, je sais pas, on verra. Bon, et en fait, pourquoi je vous dis que j'ai quand même bien envie de faire l'i-cord? Bah parce que j'ai commencé l'i-cord. Mais pas celui-là, celui de mon autre châle. Le... Ah bah tiens, j'ai le titre là. À chaque fois que je vous en parle, je vous dis machin là. Alors attendez, bêtise. J'étais en train de vérifier que j'enregistre bien. C'est A Sensible Shawl de Céleste Young. Qui a la particularité d'avoir ces bandes-là. Et sinon, bah, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait sans dentelle, donc c'est très simple. Alors, je vous ai dit, ouais, je vais le faire en 4,5, ça va être mieux, tout ça, tout ça, tout ça. Finalement, je me suis dit, non, je vais le faire en 5. Non, mais quand je vois que le châle que je viens de tricoter, j'ai tricoté en 4. Et que c'était de la fingering, et là on est quand même sur de l'arane qui va gonfler. Je trouvais que finalement 4 c'était bien. 5 c'était bien, pardon. Donc je me suis mise à faire le. Bah, à commencer le patron tout simplement, et on commence par l'i-cord. Ce qui évitera de le coudre après, comme je vais devoir faire sur mon satisfaction. Et alors là, quelle n'a pas été ma surprise de voir que mon i-cord de 35 cm s'est fait en 10 minutes. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, c'est bien 5 en fait. Et oui, c'est pas déconnant. Enfin, je trouve pas que ce soit excessivement lâche ou quoi que ce soit. Alors c'est souple, mais c'est solide. Et ensuite j'ai commencé le patron, qui est d'une simplicité. C'est du point mousse, hein. Donc déjà c'est très bien avec des mailles lisières, enfin, c'est super facile. Et là vous voyez, hop, c'est pareil, il n'y a pas. Je laisserai sécher tranquille, je ne l'étirerai pas. Mais en même temps, je pense que c'est pas une laine qui est vouée à s'étirer beaucoup. Par contre, je pense qu'elle va gonfler, donc voilà. Voilà, j'ai juste tricoté ça, histoire de... Je me suis dit, allez, je fais la i-cord, comme ça je l'aurais commencé. Et en fait, j'ai pas pu m'arrêter, je voulais voir comment avancer le châle. Et voilà. Donc ça, c'est super, très agréable à tricoter, finalement. J'avais un petit peu peur de me dire, oh, c'est pas pour moi, machin. En fait, très 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 agréable. Donc ça, hop, je me le range. Voilà. Donc j'ai un certain nombre de centimètres pour faire la languette qui va à l'arrière. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, je vous avais dit que je commencerai le calmistère d'Audrey Borrego. Chose que j'ai faite. Je le tricote en 3 cm avec l'amandime. Quel plaisir! Oh, l'amandime en jacquard. Mais mon Dieu, mais allez-y! C'est incroyable. Alors, je vais me permettre de vous montrer parce que j'ai fait un peu moins de 2 cm. Vous n'allez pas voir grand-chose, juste l'aspect de l'amandime. C'est une folie. C'est une folie. Bon, je sais tricoter jacquard, je tricote à deux mains. Après, je ne me considère pas comme une spécialiste. Je ne sais pas si vous m'avez suivi quand j'ai tricoté mon mince Alpine Bloom. Il y avait... Bon, alors c'était vraiment pas de la laine à jacquard, mais... Il y avait des bosses, il y avait des machins, c'était pas extraordinaire en jacquard. Il s'est bien mis après le lavage, mais c'était pas extraordinaire. Là, comment vous dire que mon jacquard, il est parfait. Alors, je vous montre un endroit où il y a vraiment du jacquard. Je tricote en 3, comme le dit Audrey Borrego. Vous voyez, c'est super régulier. Les points se font bien. Alors après, il n'y a pas encore beaucoup de... comment on dit, de longueur, voilà. Mais je trouve que c'est... Vous voyez, les textures se font très bien, enfin vraiment... je suis ravie. On voit chaque point. Non, c'est génial. C'est génial. En plus, je suis sur un câble de
je dirais 60. Je sais pas trop, faut que je vérifie, mais... Et du coup, bah, mon jacquard est très tendu. Vous voyez ? Là, il est... Alors, le fil que vous voyez, c'est pas mon... C'est pas que je tricote en Magic Loop. J'avais Silver Loop en tête, me demandez pas pourquoi. C'est parce que on démarre sur un provisionnel caston. Et c'est à la Turkish. C'est-à-dire que... ouais, c'est 1, 2, 3, fini une phrase spring. Il s'agit d'enrouler... mon cerveau veut pas. Le Turkish caston, c'est un caston qu'on utilise pour faire des chaussettes pour tricoter en rond. En fait, on enroule autour de deux aiguilles le fil. Vraiment juste enroulé. Hein. Le nombre de fois qu'on a besoin de mailles. Et puis après, on tricote un côté. Et puis on tricote l'autre et on continue en rond. Là, on fait pareil, sauf qu'on tricote qu'un côté. Et l'autre, on le laisse sur un câble. Voilà. C'est exactement ce que vous avez ici. Donc ça, c'est juste des mailles qui ont été enroulées autour du fil. Et elles ont été tricotées à partir de là. Voilà. C'est tout simple. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et j'ai voulu mettre ça sur un câble un peu plus long pour pas être embêtée. Voilà, parce que je me suis dit que si je mettais sur un 40, ça allait être serré d'un côté, pas de l'autre, c'est pas fou. Donc voilà, ça avance très très bien. Donc je vous ai dit, j'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. J'ai commencé le 9e. Je dois en faire 10 par jour. On est pas mal, on est pas mal. Il faut juste que j'en fasse 12 aujourd'hui, mais c'est le week-end, donc... Donc c'est parfait, ça avance super bien, la laine c'est un plaisir, il va être très doux, très confortable, pardon, très chaud, il sera pas pour moi. Non, franchement, j'apprécie énormément, là je kiffe et je surkiffe mon projet. Donc là, les deux projets que j'ai entamés hier, je les adore. Je me rends bien compte que le châle il va être fait, mais une vitesse. Lui, je vais vraiment m'en occuper parce que la grosse laine, la grosse aiguille, des points faciles. Oh, je suis très impatiente de finir la languette pour entamer vraiment le châle et ses augmentations. Et je pense que je vais vraiment le kiffer et qu'il va aller vite finalement. J'ai vraiment l'impression que ça va être le projet de septembre. Lui, ça va être le projet qui va finir en septembre. Voilà. Je sais pas si je viendrai vous voir demain, compte tenu que bah, y aura vraiment ma sœur à un moment. Je sais pas quand elle compte partir. Donc je vais vous dire au revoir maintenant et puis si jamais je couperai, et sinon tant pis. Voilà, donc tout ça pour dire que là je vais partir donc à l'anniversaire de ma sœur, j'ai pris mes projets, je vais sûrement faire, alors je me suis rendu compte que je devais faire une petite couture pour ma sœur que j'ai oublié de faire, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée pour la voix, donc il faut que je l'emmène pour le faire. Voilà, je vais aussi prendre... le châle parce que facile à tricoter et je vais prendre aussi alors là vous allez rêver ma stamina parce que bah, comme je connais le patron je peux le faire sans réfléchir et qu'elle n'a pas évolué depuis. Ouh, et j'ai perdu énormément de mailles. Ah, non elles sont pas perdues, c'est l'avantage des laines rustiques, c'est qu'elles bougent pas en fait, les mailles ne bougent pas, je sais pas depuis combien de temps elles ont pas été elles sont perdues, mais elles n'ont pas bougé. J'ai perdu une maille en tout. Ça va. Elles n'ont pas bougé, quoi. Incroyable. Donc voilà, ma stamina, pour laquelle je file, mais que j'ai pas continué à tricoter. Donc voilà, c'est pas grave. Si c'est un projet qui prendra 3 ans, c'est un projet qui prendra 3 ans. Mais je sais que je vais kiffer. Donc je vais prendre ma stamina, ça, la couture pour ma sœur, que je vais faire dans la voiture. Et puis je me dis que si dans la voiture je suis pas motivée ou si j'ai besoin de discuter, tout ça, on va prendre l'i-cord. Voilà, je vais me faire deux i-cord là-dedans. Je sais toujours pas combien j'en ai, mais pour moi j'ai pas 10 grammes là. Gros max 10 grammes. Donc l'i-cord pour celui-ci, comme ça je serai vraiment libérée, délivrée et je pourrai le porter comme je l'aime. Est-ce que je le prends? J'ai bien envie de le prendre quand même. Il faut bien frimer avec ces nouveaux tricots. Ils sont bons. Voilà, il est pailleté, hein. Je sais pas si vous le voyez. Si là vous voyez quand je le bouge, vous voyez des petites paillettes. Donc il est un peu pailleté. Est-ce qu'on voit les différents bains? J'ai même pas fait gaffe. Dites-moi, est-ce que vous voyez les deux différents bains? Sachant qu'en haut et en bas, bah, c'est pas les mêmes bains. Et là, le changement s'effectue quelque part.
J'ai coupé mes fils, hein. Ben, j'ai bien rentré mes fils. Je sais pas où est le changement. Moi, en le regardant comme ça, je vois que là, il est plus rosé et là, plus beige-marron. Mais en vrai, c'est pas choquant. Voilà, bien, je vais vous laisser. Voilà, donc maintenant, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, si vous avez des remarques à me faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un message en dessous. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est juste après, vous avez mon petit pseudo Insta. Sur Abelry, je mets mes avancées des projets. Enfin, je mets des, pas forcément les avancées, mais je mets un petit point en tout cas. Quoi d'autre? Ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous bien sûr. J'ai d'autres choses à vous dire, mais j'oublie en général. J'espère que donc que ça vous a plu. La semaine prochaine, c'est ça que je voulais vous dire. La semaine prochaine, on va retrouver le patchwork. Parce que là, j'étais un petit peu monoprojet. D'habitude, je suis monoprojet pas tellement, mais un petit peu sur certains sujets. Là, c'était, j'ai fait que tricot, que ça. Donc, la semaine prochaine, vous avez vu, j'ai 2 en cours tricot. J'espère reprendre un petit peu le filage parce que j'aurai plus d'envie. Enfin, j'ai l'envie, mais j'ai moins de contraintes, je dirais. Donc ça, filage, je vais reprendre le patchwork et... Non, lundi, j'aurai pas le temps. Donc pas encore de couture la semaine prochaine, on va attendre vraiment que la rentrée soit bien faite pour tout le monde. Parce que lundi, je dois amener Loki se faire vacciner pour son rappel de vaccin. Adrien a son premier rendez-vous psychomote. Et après, bah, je récupère les petits pour à l'école. Donc voilà. Donc non, lundi... pas de couture et mardi retour à une activité normale avec des enfants tous à l'école et au collège. Joie bonheur. Voilà, donc pas encore de couture mais du patchwork, ça je vous promets, du tricot et peut-être de la broderie, peut-être que je me remettrai à ma broderie et peut-être du journaling aussi. J'ai commencé à préparer mon journal du mois de septembre, donc j'essaierai de vous montrer ça éventuellement. Ça va être très sobre, hein, très sobre. Des mises en page sobres avec beaucoup de déco. Là, vous voyez la déco, elle est là. Ouais. Voilà. Voilà pour la semaine prochaine. Donc si ça vous tente, revenez dimanche prochain pour le nouvel épisode de vlog. Sur ce, maintenant, je vais vous laisser, bien sûr, tricoter bien, filer bien, couser bien, broder bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, de soin de ceux que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire, ma foi. Attention, la semaine prochaine, il reprévoit une canicule et des chaleurs, donc faites attention à vous. Loki est rentré dans la chambre. Voilà. Sur ce, moi, donc, je vous laisse. Je vais aller à l'anniversaire de ma sœur et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. À bientôt. Salut !